Bonjour. Mon Dieu, ça a connecté vite. Oh, il y a du vent. Comment ça va aujourd'hui? J'ai dit urgent besoin de sortir. Est-ce que vous ressentez ça de ce temps-ci? Avez-vous vraiment ce besoin urgent de sortir de la maison? Ça fait assez longtemps qu'on est en dedans. On a besoin de prendre l'air, on a besoin de sortir. Est-ce que vous allez prendre l'air? Est-ce que vous sortez? Est-ce que vous avez cette possibilité-là de sortir? Est-ce que vous prenez ce choix-là de sortir? Est-ce que ça devient étouffant de rester à l'intérieur? Est-ce que comment vous vous sentez? Comment ça se passe pour vous autres? Salut, salut Nicole, salut Pierre. Comment ça se passe pour vous autres? Est-ce que vous prenez le temps de sortir à l'extérieur? Est-ce que vous prenez le temps de prendre des marches, de prendre de l'air? Ici, il y a neigé. Oui, il fait froid. Oui, ici aussi, il fait moins 14. Il fait moins 14 présentement. Il annonce plus 8 demain. Ouais, plus 8, plus 9, plus 12. Ça que c'est les changements de température, là, c'est vraiment extraordinaire, là. Aujourd'hui, c'est moins le temps de sortir. Disons, on commence à s'habituer au chaud. Est-ce que vous ressentez ça? Ce besoin d'aller prendre l'air, ce besoin de sortir? Est-ce que vous prenez conscience que moi, en tout cas, je sais que c'était comme ça pour moi, que j'allais travailler, j'étais contente d'aller travailler, même si des fois ça pouvait être lourd. Quand je sortais travailler, c'était mon évasement. Je pouvais m'évader, tu sais, je pouvais sortir, penser faire autre chose. Tandis que quand j'arrivais à la maison, mais là, tu sais, c'était les obligations, c'était ci, c'était ça, c'était. Puis j'étais pas dans la vie que je voulais, je faisais pas ce que je voulais, fait que j'étais pas vraiment heureuse à la maison, fait que c'était plus lourd chez nous que c'était lourd au travail. Est-ce que c'est comme ça pour vous? Fait que moi, je m'étais trouvé toutes sortes de fuites, en fait, hein. Je fuyais dans le travail, je fuyais dans les obligations, dans les responsabilités, dans plein d'affaires. Quelles sont vos fuites? Est-ce que c'est la télévision? Est-ce que c'est les jeux Nintendo? Est-ce que c'est les écrans? Est-ce que c'est Facebook? Hein? Ça devient vraiment une fuite par excellence depuis quelque temps. Où est-ce que vous fuyez? Pourquoi vous fuyez? Qu'est-ce que vous fuyez? T'sais? On est des gros maringouins. Des gens qui coupent du bois. La vie n'est pas arrêtée. Hein? Il y a plein de monde qui travaille encore. C'est encore surprenant de voir ça. Puis je trouve ça OK. Je trouve ça tout à fait correct qu'on puisse sortir, qu'on puisse travailler sur le terrain, qu'on puisse faire qu'est-ce qu'il y a à faire. Sincèrement, là, je me verrais pas me faire dicter ma conduite chez moi et de dire tu peux pas sortir, tu peux pas prendre l'air, tu peux pas aller prendre une marche, tu peux pas aller au parc, tu peux pas nettoyer ton terrain, tu peux pas. Voyons donc, tu sais, je dis est-ce que je mets quelqu'un en danger? Non. De ne pas venir me dire ce que j'en fais chez nous. Ça, c'est quelque chose que je ne vivrais pas sereinement. Non, ça, c'est quelque chose qu'on m'impose une façon de vivre que je n'ai pas choisie. Ça, c'est plus difficile, tu sais. Puis c'est ça que ça vient brasser beaucoup aussi avec le confinement présentement. Moi, je vous dis que je le fais parce que. Je trouve mon compte puis ça me convient. Mais s'il fallait, je sais pas, moi, tu sais, que l'armée débarque, puis qu'on vienne me contraindre puis me dire, ben là, wow, là, il y a quelque chose qui marcherait pas, parce que, un, il y a rien qui justifie ça. Tu sais, c'était pour la protection, c'est vraiment, moi, je sais pas, là, je suis pas. Quand tu as des comportements qui peuvent mettre les autres en danger, tu sais, qu'il y a vraiment une raison, puis que c'est cohérent, OK? Mais quand ça manque de cohérence, il y a beaucoup de manque de cohérence. Il y a beaucoup de vent, je ne sais pas si vous entendez bien. Je reviens à ça. Je reviens à où est-ce que vous fuyez? Pourquoi est-ce que vous fuyez? Est-ce que vous êtes prête à vous battre pour vos convictions? Est-ce que vous êtes prête à vous battre pour qui vous êtes, puis vos droits, puis. Tu sais, moi, je sais bien que ma liberté de choix, ma liberté d'expression, c'est important pour moi. Présentement, c'est bon. Moi, je me sens respectée dans ça.
Mais je vais faire valoir mes droits, ça c'est sûr, là. Définitivement. Puis j'irai pas fuir. Je sais que je vais me tenir debout. Je sais que je vais me respecter. Je sais que je m'accorde suffisamment d'importance pour ça. Oh que oui, la liberté, moi aussi, je tiens à mon droit de décider si je vais prendre un vaccin ou non. Je tiens à mon. C'est ma vie. C'est ma vie que je mets en jeu. Je ne mets pas celle des autres. Fait que ça regarde pas personne. Je veux pouvoir décider. Tant que ça n'implique pas les autres à côté, je pense pas qu'on ait le droit de m'imposer quoi que ce soit. Fait que pour ça, en tout cas, les limites et les territoires, c'est important. Faites attention à ce que vous écoutez, aux nouvelles qui se propagent, à ce que vous décidez de croire ou ne pas croire. Ça vous appartient, puis ça, tout est correct, hein? On a le libre choix. Vous avez le droit de croire en ce que vous voulez. Vous avez le droit de croire si c'est correct, si c'est pas correct, si c'est bon, si c'est pas bon. Qui a raison, personne ne peut le dire. Il n'y a personne qui peut affirmer haut et fort, c'est moi qui ai raison. Non, c'est quoi votre vérité à vous? Qu'est-ce qui vous convient? C'est votre choix personnel. Ça vous appartient. Puis moi, ça, je pense que c'est super important. Je ne sais pas qu'est-ce que vous autres, vous dites de tout ça, ce que vous en pensez. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. J'aimerais ça que vous me disiez, est-ce que vous êtes prête à vous laisser imposer quelque chose? C'est un peu ça dans notre vie au quotidien. T'sais, dans notre vie, la vie que vous menez présentement, est-ce que vous la choisissez? Ou si vous laissez vous l'imposer par l'extérieur? Parce que ça, en fond, c'est un choix aussi, hein? On accepte de concéder, on accepte de suivre. Si je dis rien, j'ai fait un choix. J'ai fait le choix de suivre. J'ai fait le choix de ne pas faire de choix, de subir. Mais c'est mon choix pareil. Moi, c'est clair que je vais conserver mon choix. Puis, qu'importe les conséquences, je vais aller jusqu'au bout de ça pour moi. En tout cas, je sais que moi, c'est ma vérité à moi. Que c'est ça, que ma liberté, mon droit d'exister, mon droit d'être qui je suis, ça va primer sur tout le reste. Et vous autres, vous vous sentez comment là-dedans? Vous autres, vous allez décider quoi pour vous? Vous allez faire quoi pour vous? T'sais? Moi, ce que j'espère, c'est qu'on bâtisse le demain sur ce qu'on est en train de construire présentement. C'est-à-dire, comment est-ce que vous êtes présentement? Comment est-ce que vous vous sentez? Quel droit est-ce que vous vous accordez d'être bien? Et c'est ça qu'on bâtit présentement pour l'avenir. À l'hôpital, il y en a qui trouvent que je suis assez directe. Ben, c'est ça, je suis libre de faire ce que je veux faire. Je suis d'accord avec toi, Nicole. Moi, en tout cas, j'onde dans ce sens. Je connais ma job, ce que j'ai à faire. La personne va venir me dire comment la faire. Je choisis un mauvais chemin. Je vais l'assurer. Je vais l'assumer. Puis, go, je recommencerai. C'est exact. C'est ça. Il n'y a rien en ce monde qui nous est garanti. Il n'y a rien qui nous appartient. Même tout l'avoir qu'on peut posséder, tu peux le perdre demain matin. T'sais, oui, je sais pas, il y a un grand feu de forêt, ça, tout passe au feu, tout perdu, là. T'sais, je veux dire, c'est du matériel. Ce que personne ne peut t'enlever, c'est qui tu es. C'est toi. Puis c'est tes droits. Puis, si on m'enlève mes droits, moi, je vais me battre, là. T'sais, ton droit ne doit pas te permettre de mettre les autres en péril. C'est exact. Mais, tu sais, j'ai le droit de choisir ou non sur ma vie. J'ai le droit de décider si je me fais vacciner ou non. Je ne mets pas les autres en péril pour ça. Si l'autre se fait vacciner, techniquement, ça devrait le protéger, selon ce qu'ils disent. Si ça le protège, moi, si je ne protège pas ma vie par un vaccin, ça me regarde. C'est mon droit. Qu'on ne devrait pas avoir à me l'imposer. Il y a quelque chose, tu sais, il y a plein d'incohérences. Il y a plein d'incohérences. Fait que pour moi, en tout cas, pour ma vérité à moi, ça va être ça. Tu sais, trop longtemps, j'ai accepté de vivre dans l'ombre, de ne pas oser exprimer, ne pas oser prendre ma place, ne pas oser exister. Faire valoir mes territoires et mes droits, aujourd'hui, plus jamais. Plus jamais. Parce que ça, c'est mourir.
et je ne veux pas être enterrée vivante. Je ne veux pas mourir en vie. Tant que je vais vivre, je vais vivre. Je ne me laisserai pas faire mourir. Ça m'appartient. C'est mon cheminement. C'est ma vie. C'est ma mort. C'est moi qui décide de ça. Et personnellement, en tout cas, ça, c'est mon chemin. Ça a été trop souffrant que de donner ce droit-là aux autres, de perdre la puissance, mon droit. Ça, c'est l'impuissance, ça, c'est tellement souffrant. Nicole, tu dis, voilà, c'est en plein ça. Non, moi, pas d'accord pour les vaccins. Je suis en santé. Alors non, ça n'a pas... Fait que ça, c'est ta vérité à toi, Nicole, tu sais, je veux dire, c'est OK s'il y en a qui trouvent que c'est super important pour eux autres, parce que, puis c'est parfait. Moi, je suis autant pour que je suis contre, tu sais, je veux dire, c'est pour toi, c'est bon, bien que je trouve ça génial. Puis ça met pas personne en danger, ça implique personne d'autre que toi, fait que c'est ton choix. Mais faire imposer ça, ça, c'est une autre histoire, tu sais. Moi, pour moi-même, moi aussi, je trouve que c'est ça, moi, je me ferais pas vacciner. Ça bug beaucoup. Moi, écoute en rediffusion, merci. Ah oui, ça bug beaucoup, tu vois. Ah, il y a peut-être trop d'interférences dans le son. Je vais mettre fin à ça. En tout cas, je vous laisse réfléchir à qu'est-ce qui est important pour vous. Est-ce que vous êtes dans la vie que vous voulez? Comment vous la bâtissez pour demain? Qu'est-ce qui est important? Puis, c'est ça. On s'en reparle demain. Je vous reviens avec un autre sujet. Puis, je vous embrasse. Il va faire plus chaud demain, ça va être plus agréable. Ciao!